Bonjour, alors pour promouvoir le combat des maîtres, Jean-Luc Reichmann en a-t-il fait un peu trop? Bon, hier, il annonçait, attention, spoil, ne regardez pas, aujourd'hui anniversaire des 13 ans, gna gna gna, Paul sera sur le plateau, donc bon, bah, il est arrivé, bon, bah, on s'y attendait, hein, donc il n'y avait pas une grosse surprise. Et puis, bah, on s'est aperçu d'un truc dans l'émission, c'est qu'il avait vraiment l'air de se faire chier. Bah ouais, donc bon, on avait l'impression qu'il était content de revenir, mais pas spécialement. Donc bon, hier, ils ont balancé une photo aux grosses têtes où on peut le voir à Carcassonne, puisque les grosses têtes étaient à Carcassonne, et on voyait là qu'il semblait beaucoup plus s'amuser avec les équipes des grosses têtes qu'avec bah, les équipes des 12 coups de midi. Mais bon, voilà quoi. Donc Jean-Luc Reichmann, il faut toujours qu'il en fasse un peu trop, et puis vous allez rigoler, regardez la photo de famille. Bah, il est où le popole? Il est où le popole? Bah, il n'est pas là. Il n'est pas là, le popole. Bon, je vous dis à tout de suite parce que je suis désolé. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs vidéos sur les 12 coups de midi parce que bon, l'actualité est chargée. C'est rare, mais c'est comme ça. Allez, à plus tard.